si vous aussi vous vous êtes déjà demandé si on mangeait des salades César en romantique ou s'il fallait porter une toge oversize pour être stylé sur le forum, eh bien vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur C'est quoi cette histoire ? Je m'appelle Caroline et je vous emmène avec moi découvrir la vie quotidienne en romantique. Mais pour ce faire, je ne suis pas toute seule, et tant mieux pour vous d'ailleurs, parce qu'à part vous décliner Rosa, Rosae et vous dire si Scribe c'est une bonne ou une mauvaise situation, je ne saurais pas trop quoi vous dire. Heureusement, nous pouvons compter sur une autre experte en romantique qui mène des heures de recherche pour nous dénicher des anecdotes croustillantes sur le quotidien des Romains et des Romaines. Salut Noémie. Salut Caroline, bonjour à tous. Dis-moi, quel est ton jeu de société préféré ? Si tu en as. Ah là là, alors c'est une question très compliquée que tu me poses là parce que j'aime beaucoup les jeux de société. J'en ai énormément, mais si je devais choisir mon jeu préféré du moment, c'est Mysterium. Alors je vous laisse vous renseigner sur le sujet, mais grosso modo, on est dans une ambiance un peu Cluedo détective. Voilà, je vous laisse avec ça. Est-ce que ça existe en romantique, le Mysterium, déjà ? Alors malheureusement, non. Hein. Une des bonnes raisons de vivre au XXIe siècle, je vous dirais, mais les Romains n'étaient pas en reste sur les jeux malgré tout, donc restez avec nous. Vous m'aurez vu venir avec mes gros sabots aujourd'hui. On s'intéresse aux jeux et aux jouets préférés des Romains, qui n'étaient d'ailleurs pas si éloignés de ce que nous avons aujourd'hui. Et justement, c'est ce qu'on va découvrir dans ce nouvel épisode de C'est quoi cette histoire ? En romantique, on jouait déjà à des jeux dès l'enfance, alors bien évidemment dans une visée divertissante, mais aussi dans un objectif éducatif. Tout à fait, et pour citer Aristote, pour bien commencer notre podcast, Aristote disait « joue et tu deviendras sérieux ». Donc effectivement, ça met bien l'accent sur cette valeur d'apprentissage, voire de socialisation qu'avaient les jeux, en plus d'être divertissants. Et dans l'Antiquité romaine, les jeux touchent toutes les sphères sociales et toutes les tranches d'âge, donc pas seulement les enfants. À Rome, le jeu et l'enfance sont intimement liés. En latin, ludus, donc d'où vient notre ludique français, signifie à la fois le jeu et l'école. Donc encore une fois, on retrouve cet entremêlement de l'aspect ludique et de l'aspect apprentissage par le biais de l'école. Dès la naissance, les jouets sont utilisés pour l'apprentissage. Et Platon écrit dans ses lois... Par l'usage des jeux, l'on s'efforcera de tourner les goûts et les désirs des enfants vers le but qu'ils doivent avoir atteint à l'âge adulte. Donc on revient à cette valeur d'apprentissage qu'on investit aux jouets et aux jeux. De même, dans sa République, Platon recommande de jouer régulièrement dès l'enfance à des jeux de plateau en respectant scrupuleusement les règles du jeu. Puisque si, en tout cas selon lui, si les enfants ne maîtrisent pas et ne se soumettent pas aux règles des jeux, il est impossible qu'en grandissant, ils puissent devenir des hommes de vertu solide et des hommes qui se plient à leurs devoirs. Il est difficile aujourd'hui pour nous de reconstituer les règles des jeux antiques, puisque, et c'est aussi le cas aujourd'hui, hein, d'une famille à l'autre, on va avoir des variantes différentes d'un même jeu. Ce qu'on peut observer si vous jouez avec vos grands-parents, par exemple, ils n'ont pas forcément, je parle en connaissance de cause, les mêmes règles que vous pour certains jeux. Mais on connaît comme ouvrage écrit l'Onomasticon de Julius Pollux, qui a été écrit au IIe siècle après Jésus-Christ, et qui est un dictionnaire qui aborde notamment la thématique des jeux et qui nous donne aujourd'hui des informations assez précieuses sur cet univers-là. Bah, je souhaite bon courage aux futurs archéologues qui vont découvrir notre Uno, parce que je pense qu'il y a autant de règles que de cartes dans ce jeu. C'était joliment dit, non ? Bon. Donc, les enfants avaient des jouets dès leur plus jeune âge. Concrètement, à quoi ressemblaient les jouets des nourrissons romains ? Alors, à la naissance, on va offrir à l'enfant ses premiers jouets qui sont principalement des objets sonores. Donc, des objets qui sont destinés à faire des bruits, assez proches de nos hochets actuels. On les appelle les crepundiae. Crepitare, en fait, est un verbe qui signifie « faire du bruit ». Il existe plusieurs formes de crepundiae. Donc, le crepitaculum est un hochet qui est rempli de cailloux ou de grelots, qui va prendre la forme soit d'un simple disque, ou alors des formes un peu plus élaborées, comme par exemple la forme d'un animal. Le tintinnabula et les sistres sont des hochets qui sont un peu plus simples, mais qui sont aussi destinés à produire des sons, des bruits,
et les crotales sont des instruments de musique qui sont en bois. Ces jouets sonores ont la vocation de distraire ou d'apaiser le nourrisson, mais ils revêtent parfois aussi des vocations plus superstitieuses, comme celle d'écarter des influences malfaisantes qui pourraient s'approcher de l'enfant. Et l'influence de la qualité du sommeil sur la croissance a déjà été observée dans l'Antiquité, donc c'est pas nouveau. Et plusieurs textes antiques insistent sur l'effet positif d'un son rythmé au moment de l'endormissement du bébé, donc pour l'aider à dormir mieux. Donc c'est toute une science, hein, déjà. Généralement, ces hochets sont en terre cuite, mais il en existe aussi dans d'autres matériaux, comme par exemple du bois ou du métal. Lorsqu'ils contiennent des billes, qui sont soit en argile, soit en cailloux, des simples cailloux finalement, ces éléments ont été ajoutés avant la cuisson. Donc tout a été cuit ensemble. Et lorsqu'il s'agit d'exemplaires en métal, ils sont pourvus d'anneaux, puisque le métal qui s'entrechoque fait aussi du bruit. Donc c'est un son encore différent qui va être apporté à cet objet. Donc comme je le disais tout à l'heure, on a des formes très simples, donc des disques, mais aussi des losanges ou des rectangles. Mais il existe aussi tout un ensemble de formes figurées qui peuvent revêtir des significations religieuses ou protectrices. On connaît par exemple à Zurich, donc en Suisse, dans un musée, un hochet en forme d'enfant allongé dans un berceau. Donc ce qui est assez surprenant quand même. Et les animaux familiers sont aussi souvent représentés, principalement le coq, qui était aussi, mais j'y reviendrai plus tard, un animal de compagnie souvent attribué aux enfants. Et donc des volatiles en tout genre également. Au-delà du hochet en lui-même, le musée de Rouen conserve un bracelet hochet qui a été découvert dans une tombe d'enfant. Donc ce bracelet est en bronze et est agrémenté de différents pendentifs, une cloche, des monnaies qui s'entrechoquent, des défenses de sangliers. Et donc sur cet objet particulier, on a combiné à la fois le son et les matériaux différents, que ce soit le métal, la défense de sanglier, etc., pour amuser l'enfant. Donc il y a visiblement aussi un aspect tactile. Et il me semble aussi que les recherches archéologiques ont permis de découvrir qu'il existait déjà à cette époque des jouets articulés ainsi que des jouets mobiles. Tout à fait. Et d'ailleurs, on le voit déjà sur un certain nombre de vases peints qui attestent par l'image l'existence de chariots à roulettes, hein, qui sont tirés par les enfants, à la fois les filles et les garçons. Hein, on n'a pas cette distinction sur ce type de jouets qu'ils allaient tirer ou pousser et sur lesquels ils peuvent transporter des objets, des jouets, voire leurs amis, s'ils sont particulièrement motivés. On pouvait y atteler parfois des petits animaux. Et il existe aussi des petits chevaux à roulettes en terre cuite qui vont être perforés au niveau de la bouche pour faire passer une cordelette ou quelque chose comme ça. Donc c'est très, très élaboré. Qu'on retrouve aussi parfois dans des tombes à nouveau. Donc je reviendrai sur ce lien entre les jeux et les tombes un peu plus tard, hein, parce que c'est important aussi. Des poupées articulées aussi, on en trouve un certain nombre, en terre cuite ou en os. Et aujourd'hui, dans nos musées, on les voit sans couleur, mais à l'origine, elles étaient peintes, hein, donc elles étaient polychromes. Et lorsqu'elles sont en terre cuite, elles sont généralement produites en série, puisque des objets en terre cuite sont, en tout cas de cette facture, sont généralement moulés. Donc on utilise un moule qui va permettre de produire à répétition et donc de baisser un peu les coûts. Enfin, je vous explique le travail à la chaîne aujourd'hui, hein. Je caricature évidemment, mais voilà, donc on en trouve souvent de la même typologie qui vont vraiment avoir la même forme puisqu'elles sortent du même moule. Et les bras et les jambes sont généralement attachés au tronc, au corps, par des cordelettes ou des fils métalliques, ce qui permet justement d'articuler ces poupées. Les personnages qui sont représentés sont soit nus, soit habillés. Et pareil, les coiffures peuvent varier aussi d'un moule à l'autre, d'une poupée à l'autre. Elles peuvent tenir des instruments de musique. Et encore une fois, certaines poupées ont été découvertes dans des tombes. Pour les poupées en particulier, il semblerait que le fait de déposer ces poupées puisse marquer le passage de l'enfant à l'âge adulte. Donc un enfant qui serait mort jeune et qui du coup n'aurait pas franchi ce cap de l'âge adulte. Le fait de déposer cette poupée accompagne ce passage dans l'au-delà, entre gros guillemets. Et plus largement, cette réflexion se prête à tout type de jeux et jouets qui sont déposés dans des tombes et qui vont accompagner justement ces enfants dans l'au-delà après leur mort. Les poupées sont d'ailleurs parfois offertes à des divinités qui vont présider un mariage. Donc il y a tout ce lien avec le passage de la jeune fille à la femme mariée, à l'âge adulte, etc.
Aujourd'hui, quand on regarde nos catalogues de jouets actuels, hein, on constate que nos jouets sont très genrés, les jouets pour enfants, avec les Barbie pour les filles, les voitures pour les garçons, hein, pour un petit peu avoir une vision caricaturale des choses. Est-ce que c'était déjà le cas en romantique? Est-ce qu'il y avait déjà cette volonté d'assigner des jouets au genre masculin et féminin? Alors, je le mentionnais déjà un peu tout à l'heure, mais effectivement, les filles et les garçons partagent une large frange des jeux intersexes, en fait, si je peux dire, que ce soit des jeux de société, des jeux de balles, des jeux de cerceau, etc. Mais effectivement, il y a certains jouets qui semblent être vraiment dédiés à des fillettes ou à des garçons. Et là, en l'occurrence, pour mentionner les filles, les poupées, qu'elles soient en tissu, en terre cuite, etc. Et notamment... pour vous donner un exemple un peu plus détaillé, un type de poupée articulée concerne des représentations de femmes enceintes. L'une d'entre elles a été découverte en Allemagne, à Würzburg, donc elle est conservée dans un musée, et elle représente une femme au bassin assez large, avec une poitrine assez proéminente. Donc on voit vraiment la femme enceinte. Elle est nue. Et ses bras sont mobiles, mais ses jambes ne le sont pas. Et sa particularité est qu'au niveau de son nombril, on y a aménagé une sorte de petite trappe, en fait, une petite découpe rectangulaire qui permet d'ouvrir au niveau du ventre et qui ouvre sur une cavité dans laquelle se trouve une petite figurine en forme de, enfin, grosso modo, de fœtus, hein, parce que bon, voilà, c'est compliqué, mais... avec ses jambes, ses bras repliés. Donc en fait, c'est vraiment une représentation d'une femme enceinte où on peut ouvrir le ventre enceinte et voir ce petit fœtus à l'intérieur. Et donc ce jouet, tout porte à croire qu'il s'agisse en fait d'une figurine qui se prête à l'apprentissage des jeux de rôle sexués, en fait, et des répartitions sexuées entre les femmes et les hommes à l'âge adulte. Et on retrouve finalement le reflet de ce qu'on attend socialement des petites filles lorsqu'elles auront grandi et lorsqu'elles auront atteint cet âge adulte. La beauté, la compétence domestique et la fertilité qui est liée à ce fœtus. Dans cette même catégorie de rôle social et en fait de différenciation de tâches entre les femmes et les hommes, on retrouve la catégorie des dinettes. Hein. C'est pas non plus une invention moderne. On en connaît un certain nombre, que ce soit en métal ou en terre cuite, selon l'origine sociale de l'enfant et selon les moyens de la famille. En fait, hein, les matériaux sont aussi liés aux moyens financiers. Et elles comptent toutes plus ou moins de pièces. Donc, par exemple, un ensemble en plomb qui est conservé à Reggio Emilia, en Italie, comprend 14 pièces, alors qu'un ensemble un peu plus modeste au Musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye en compte seulement 6. Donc c'est vraiment très variable, mais de manière générale, on comprend toujours des plats, des coupes, des cruches, parfois des grilles. Donc c'est tout un ensemble qu'on retrouve. On retrouve les formes en fait en observant différentes dinettes. On a quand même vraiment toujours les mêmes typologies de petits plats. Concernant l'ensemble découvert en Italie que je mentionnais tout à l'heure, il a été mis au jour dans la tombe d'une jeune fille de 15 ans, encore une fois. Ici, on peut pas vraiment, c'est difficile en fait d'affirmer si ces objets sont vraiment fonctionnels, s'ils ont été utilisés par cette jeune fille pour jouer, ou s'ils ont été placés dans la tombe au moment de sa mort, qui n'ont pas été utilisés par elle et qui représentaient simplement les tâches symboliques qu'elle aurait dû prendre à sa charge en tant que femme mariée dans son âge adulte. C'est compliqué de faire la différence, puisqu'évidemment, dans les tombes, on ne sait pas qui a déposé quand, on ne peut pas dire si les objets ont été particulièrement utilisés ou non, et on n'a pas de texte qui l'écrit, mais c'est une possibilité. Alors, outre les jouets que tu viens de citer, les enfants romains se divertissaient également en jouant avec leurs animaux. Alors attention, rassurez-vous, on n'est pas en train de dire que les animaux sont des jouets, et on ne va pas parler de jeux sadiques impliquant une maltraitance animale, rassurez-vous, au contraire, les enfants entretenaient une relation particulière avec les animaux, qui n'est d'ailleurs pas très loin du lien qu'on a aujourd'hui avec nos animaux de compagnie qu'on aime tant. Complètement, les animaux font totalement partie du domaine du jeu pour les enfants. Les enfants peuvent élever des animaux, comme par exemple des petits chiens ou des oiseaux, qui vont devenir vraiment leur compagnons de jeu, en fait, leur compagnons de compétition principalement, puisqu'ils peuvent se faire affronter des animaux entre eux. Les enfants vont soigner, entraîner ces animaux et développer un lien affectif fort avec eux. Donc je mentionnais les coqs tout à l'heure, effectivement, les coqs de compétition sont très très répandus chez les enfants, puisqu'on considère que la nature...
belliqueuse d'un coq peut servir de bon enseignement pour un enfant, puisque pour grandir, un enfant a besoin de savoir se maîtriser et de courage, ce que n'a pas l'animal et donc qui sert de contre-modèle finalement pour ses enfants. C'est ce qu'écrivent en tout cas des auteurs antiques à cette époque. Et donc Platon a par exemple décrit la relation de certains enfants avec des coqs. Donc je vous cite un petit passage pour que vous puissiez vous représenter ce lien. Ils les promènent, les tenant sous les bras, les plus petits dans la main même, les plus grands au-dedans de leurs aisselles, et parcourent ainsi fort ce stade pour garder en bonne forme non leur précieux corps à eux, mais ceux de leurs élèves. En l'occurrence, les élèves étant leurs petits animaux. Donc on voit ce lien vraiment avec les animaux. En ce qui concerne les chiens, qui sont quand même pour nous les animaux domestiques de référence, avec les chats, hein, team chat, une espèce bien précise est connue dans des représentations d'enfants jouant, une espèce qui est appelée en latin melite et qu'on traduit aujourd'hui par maltais. Donc c'est une espèce de chien qui a un pelage à poils longs et un petit museau. À côté de ces jeux avec des animaux à proprement parler, on connaît aussi beaucoup de représentations d'animaux dans des jouets, principalement en terre cuite. Donc je le disais tout à l'heure, beaucoup de volatiles, beaucoup d'oiseaux, mais aussi des chiens, également d'autres animaux, des chevaux, etc. Ces statuettes se retrouvent fréquemment dans des tombes. Et encore une fois, on ne peut pas affirmer si ces jouets ont été utilisés ou non avant d'être placés en contexte funéraire. Mais elle semble à nouveau revêtir une signification symbolique particulière dans ce contexte funéraire. Donc accompagner l'enfant, comme le faisait l'animal pendant son quotidien, par exemple. Sont aussi attestés, et je finirai sur ça pour les animaux, un certain nombre de sifflets qui, cette fois, évidemment, prennent la forme d'oiseaux. On y revient. Le Musée d'archéologie nationale en conserve une petite vingtaine, hein, donc c'est pas anodin. Et ces oiseaux sont généralement de facture assez simple. Ils ont une incision au niveau de la tête et au niveau des plumes de l'arrière-train, si on peut dire ça pour un oiseau. Donc ce percement à deux endroits permet en fait de siffler dedans et d'avoir un bruit qui pourrait se rapprocher vaguement d'un oiseau, tout simplement. On connaît aujourd'hui pas assez bien le contexte historique pour savoir s'il s'agissait vraiment de jouets pour les enfants, s'il s'agissait de sifflets qui seraient utilisés pour des festivités ou des cérémonies, voire les deux, voire des usages encore autres. Mais une des possibilités est effectivement qu'elles aient servi à des enfants, d'autant plus que on retrouve sur ces objets du Musée d'archéologie nationale des marques un peu tâtonnantes dans la fabrication qui pourraient laisser penser qu'ils auraient été fabriqués par des enfants. Je reviens par rapport à cette notion d'animaux domestiques. Est-ce qu'à l'âge adulte, certains Romains ou Romaines conservaient un petit peu cette habitude d'enfance, d'avoir un animal à ses côtés, ou c'est vraiment réservé aux enfants ? C'est une très bonne question, et je n'ai pas la réponse, je dois dire. J'aurais tendance à te dire que c'est pas le cas, à mon avis. En tout cas, tout ce qui concerne les coqs qui s'affrontent, etc., j'aurais tendance à dire que c'est plutôt réservé aux enfants. Le fait de faire s'affronter des coqs, de les entraîner, de les nourrir, ça me semble quand même assez propice au monde enfantin, finalement. Donc j'aurais tendance à te dire que non, effectivement, c'est réservé aux enfants. Mais le fait est que c'est une hypothèse personnelle. Passons maintenant plus précisément aux jeux. Quels étaient les jeux d'adresse et les jeux collectifs auxquels jouaient les petits Romains ? Alors, les petits Romains jouaient, en ce qui concerne les jeux d'adresse, principalement à la toupie. Hein. On a tous eu cette phase où on faisait tourner nos toupies dans la cour de récréation. Donc, c'était aussi le cas sous l'Antiquité romaine, qu'elles soient en bois, en verre ou en os. Et il existe différentes typologies de toupies. Donc, le toton, par exemple, est actionné par une tige centrale, le sabot avec une ficelle enroulée autour, enfin, toute une typologie qu'on retrouve aussi aujourd'hui. Hein. Vous avez sûrement pratiqué différents types de toupies à votre jeune âge. Le cerceau aussi, qui lui est réservé aux garçons qui s'entraînent à des concours sportifs et qui est actionné aussi à l'aide d'une baguette. Les jeux de balles sont très prisés également et ces jeux de balles sont mixtes. La pila, par exemple, ressemble un peu à une balle de handball. Elle est généralement remplie de poids ou de plumes pour être assez légère. Et on peut la frapper du bras ou de la main, ou alors à l'aide de battes. Et on en connaît plusieurs versions aujourd'hui, notamment des règles.
Dans l'une de ces règles, trois participants se placent en triangle et effectuent des passes d'avant en arrière. Une autre variante consiste tout simplement à lancer la balle dans le but adverse, donc à la main. Hein, donc c'est pour ça que je vous mentionnais le handball pour vous donner un titre de comparaison actuel. Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une balle pour jouer à des jeux collectifs. Hein. Et Julius Pollux, que je mentionnais tout à l'heure, mentionne d'autres types de jeux. Donc je vous en cite quelques-uns un peu comme ça pour vous donner une idée. La mouche de bronze, par exemple, où il s'agit de couvrir les yeux d'un enfant, de le retourner. Et alors c'est assez rigolo, il y a toute une mise en situation, c'est-à-dire que l'enfant retourné doit dire « je vais chasser la mouche de bronze » et les autres enfants répondent « tu vas la chasser mais tu ne la prendras pas » et ils doivent frapper l'enfant avec des bandelettes de papyrus jusqu'à ce que l'enfant aux yeux masqués puisse en attraper un, en fait, moment auquel le jeu se termine. Voilà, c'est très amusant. On peut plus ou moins comparer à notre Colin Maillard, sauf qu'effectivement, on ne frappait pas les enfants, hein, parce que malgré tout, la torture, bon, j'exagère, mais voilà. Ou encore la Tortue, qui est un jeu qui, lui, est réservé aux jeunes filles. Alors, comment se passe la Tortue? On fait s'asseoir une jeune fille au centre, qu'on appelle la Tortue, donc. Les autres joueuses courent autour en lui demandant « Tortue, que fais-tu au milieu ?» La jeune fille répond « Je tisse des laines et une étoffe de millet. » Ce à quoi les autres participantes lui crient « Ton fils, que faisait-il quand il est mort ?» C'est très amusant. Et la jeune fille au milieu leur répond « Du haut de ses cheveux blancs, il a sauté dans la mer. » Bon, je dois vous dire, j'ai pas très bien compris ce jeu, mais visiblement c'était pratiqué puisqu'il est mentionné par Julius Pollux dans son onomasticon. Parmi les jeux les plus courants, hormis ces jeux-là, on retrouve le jeu des noix, qui est similaire à nos jeux de billes, si vous avez joué aux billes. Chaque enfant garde ses noix dans un sac, et le but est d'augmenter son trésor d'une partie à l'autre, hein, vraiment comme nos billes. Hein. Les noix sont aussi distribuées à l'école, ça peut être des récompenses, comme des bons points, en fait, finalement, pour des bons élèves. On connaît ce jeu sous deux noms, jeu du château ou alors château de noix, puisque en fait on va construire une petite pyramide avec ces noix, donc trois en bas et puis une au-dessus, hein, qui symbolise donc ce château, d'où le nom de château dans le jeu. Et l'adversaire doit détruire cette pyramide en lançant une noix dessus, hein, tout simplement. S'il réussit, il gagne les noix qui ont servi à fabriquer cette petite pyramide. S'il perd, il perd celle qu'il a jetée. Il existe bien d'autres alternatives à ce jeu, hein, et notre cher Ovid, je ne l'avais pas encore mentionné aujourd'hui, a écrit un poème qui s'appelle « Le noyer » et qui décline des possibilités de jeu avec ses noix. Les noix, d'ailleurs, peuvent être des vraies noix, qu'on pourrait manger d'ailleurs, mais aussi des noix en terre cuite, donc des fausses noix, qui ressemblent vraiment, à s'y méprendre, à de véritables noix et... En l'occurrence, le Musée d'archéologie nationale en conserve un certain nombre et très franchement, la ressemblance est très frappante, même au niveau de la texture. On pourra vous mettre des images pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Et donc, des vraies billes existaient également en pierre, en terre cuite et plus rarement en verre, qu'on faisait rouler sur des pistes. Et on connaît aussi aujourd'hui des pistes qui servaient à faire rouler ces billes, qui sont gravées à même le sol, avec également des petites incisions pour placer les billes. Donc on le retrouve aussi en contexte archéologique. On sait que dans des termes, par exemple, je pense au terme de Caracalla à Rome, on a des incisions qui suggèrent la pratique du jeu de billes par les enfants à même le sol. Et notamment des inscriptions. Donc cette fameuse piste de billes des termes de Caracalla était complétée par une inscription à même le sol qui disait « Quand tu gagnes, tu jubiles, quand tu perds, tu pleures ». Voilà. Et pour terminer, le jeu d'osselet est aussi un classique sur le même type de jeu, hein, pour compléter ses noix, ses billes, et bien les osselets qu'on trouve aussi dans toute une panoplie de matériaux, que ce soit de la terre cuite, de l'ivoire, du bronze, voire même de l'or pour les plus riches d'entre nous. On n'a pas tout joué avec les mêmes jeux et les mêmes joueurs. Est-ce qu'il y avait également des jeux de société qu'on jouait autour d'une table, semblables, je ne sais pas, par exemple, aux jeux d'échecs, aux dominos, ou encore aux puissances 4 qu'on connaît actuellement ? Oui, tout à fait. Alors, notamment les dés et les pions,
qu'on retrouve abondamment dans des fouilles sont quand même les témoins très significatifs de la pratique de ces jeux de plateau, comme on les appelle. La plupart des dés qu'on retrouve en contexte de fouilles sont en os, mais il en existe aussi dans d'autres matériaux comme du verre, du métal, etc. On connaît évidemment les dés cubiques comme on les utilise aujourd'hui, mais d'autres formes de dés sont aussi utilisées, des dés biseautés, des dés parallélépipédiques, etc. Et de nombreux jeux différents peuvent se jouer avec ces pions et ou ces dés, hein, les deux sont pas forcément combinés, avec plus ou moins de hasard. On connaît l'équivalent du morpion ou encore du trick-track. Un jeu qui s'appelle le jeu des cinq lignes, Pentegrammai, se joue par exemple avec des pions et un dé. Le jeu des petits soldats se pratique sans dés, avec simplement des pions. Il s'agit d'un jeu où il faut capturer des pions sur un plateau. Donc tu mentionnais les échecs, et bien finalement on n'en est pas si loin. Et ces règles, on les connaît vaguement à nouveau grâce à Ovid, grâce à un texte d'Ovid, qui écrit « Un seul pion contre deux doit succomber. Un roi qui combat, séparé de sa reine, s'expose à être pris. » etc., etc. Donc vous voyez que même le traducteur qui a traduit ce texte latin a fait le choix de reprendre les noms des pièces actuelles du jeu d'échecs, le roi, la reine, ce qui montre quand même qu'il y a une certaine proximité entre ces jeux, finalement. Et à travers les différentes villes qui constituent l'Empire romain, on a trouvé de très nombreux graffitis gravés sur le sol qui représentaient aussi, en plus de ces pistes à billes, des plateaux de jeu, donc des grilles. Le motif le plus fréquent est un cercle traversé de quatre lignes qui est utilisé pour le jeu du moulin en rond. C'est le nom qu'on donne à ce jeu. Et ces gravures témoignent aussi de la pratique du jeu dans l'espace public, donc à nouveau comme lien social et comme pratique ouverte en fait, et pas seulement réservée au cadre privé ou domestique. Mais où est-ce qu'on se procurait tous ces jeux ? Est-ce qu'il y avait des artisans qui avaient des boutiques où ils vendaient tous ces jeux ? Ou est-ce qu'on les fabriquait soi-même ? Comment ça se passait ? Où est-ce qu'on se les procurait ? Alors, comme je le disais, une grande partie de la production de pions ou de dés était en os ou alors en terre cuite. Et c'est des matériaux qui se travaillent assez facilement. Et le plus logique, effectivement, serait qu'il y ait des boutiques où on pouvait se procurer ça. Je pense par exemple aussi à des étals. Pourquoi pas dans la rue, où on pourrait se procurer des dés ou des pions. En ce qui concerne les matériels luxueux comme l'or que je mentionnais tout à l'heure, j'imagine qu'il s'agit d'une commande très spéciale, mais c'est quand même assez rare. Donc on est plus sur des matériaux qui sont vraiment bon marché, si je puis dire, et qui peuvent être procurés vraiment facilement. Alors on a essentiellement parlé des pratiques ludiques des enfants romains, mais ce ne sont pas les seuls sûrement à aimer jouer et s'amuser. On aime s'amuser bien après l'enfance. Est-ce que certains de ces jeux étaient également joués à l'âge adulte ? Je pense notamment aux jeux de plateau, ou bien est-ce qu'ils étaient strictement réservés aux plus jeunes ? Alors là, je me base encore sur les vases peints dont je te parlais tout à l'heure. Et notamment, je pense à un vase grec qui est conservé au Vatican et qui représente sur une de ses faces deux soldats. Alors, bon, la question, est-ce que c'est des soldats mythologiques ou non ? Bon, voilà, on va pas rentrer dans ces détails-là. Mais deux soldats qui sont assis de part et d'autre d'un plateau et qui jouent à un jeu de plateau. Et donc, de fait, ça va dans le sens d'une pratique du jeu, notamment du jeu de plateau, par des adultes. Et effectivement, même dans les... Je parlais tout à l'heure du jeu dans l'espace public. C'est pas seulement les enfants qui jouaient dans l'espace public. Et notamment sur ces jeux de plateau, c'est principalement... ces plateaux gravés étaient principalement gravés par des adultes. C'est vraiment pas quelque chose qui est réservé uniquement à l'enfant. Alors tout au long de cet épisode, tu nous as quand même donné des informations assez étonnantes et tu nous as précisé que les jeux romains étaient représentés sur les stèles funéraires. Oui, tout à fait. Et de nombreux jouets, de nombreux éléments qui participent du jeu ont été retrouvés dans les tombes. Hein. C'est pareil, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, que ce soit des poupées, des dés, des représentations d'animaux. On a même une table de jeu qui est conservée au musée suisse du jeu, hein, qui est antique. Et ces éléments étaient disposés parfois en grand lot dans des tombes. Il n'est pas rare d'en trouver des lots assez conséquents. Je pense par exemple au musée de Rouen, qui conserve un ensemble de dés, de pions, de billes en verre dans la tombe d'un enfant de 6 ans.
Et comme tu le disais, les scènes de jeu sont aussi représentées sur des stèles funéraires ou alors des urnes. Je pense ici à une urne funéraire qui est inscrite au nom d'une jeune fille qui s'appelle Margaris, qui est conservée à la BNF, donc à Paris, et qui représente deux personnages assis de part et d'autre d'un plateau quadrillé. En fait, la scène est assez similaire à celle que je vous mentionnais sur le vase, sauf qu'on la retrouve ici sur une stèle funéraire. Et les jeux sont également très présents dans le domaine de la divination. Par exemple, deux osselets conservés à la BNF portent des inscriptions grecques qui sont possiblement en lien avec des rites divinatoires ou alors des procédures de jeu. En fait, on n'arrive pas trop à trancher parce que, bon, hors contexte, c'est compliqué, mais il n'est pas improbable que ça ait un lien avec quelque chose de sacré, quelque chose de divin. Les osselets, par exemple, sont connus pour être utilisés par des oracles. Et je pense ici à Pausanias, qui parle dans un de ses écrits de la ville de Bura, dans laquelle il est possible d'obtenir un oracle à partir d'un tableau et d'osselets. Donc ces éléments qui sont à l'origine utilisés pour se divertir, pour jouer, peuvent aussi être repris dans un contexte plus sérieux, j'allais dire, donc un contexte que ce soit funéraire pour accompagner les défunts ou un contexte divinatoire pour faire des requêtes à des divinités ou ce genre de choses. Finalement, encore une fois, à part la Wii et la PS5, on n'a rien inventé en termes de jeux et de jouets. Non, complètement. Effectivement, les jouets des jeunes Romains n'ont rien à envier aux nôtres. Hein. Ils s'amusaient quand même bien, visiblement. Hein. Et ils sont, pour une bonne partie d'entre eux, assez proches des jeux qu'on peut toujours jouer, les échecs, le morpion. Bon, j'ai jamais fait combattre des coqs, mais pourquoi pas, après tout. Par contre, il ne faut pas oublier l'importance des croyances et des obligations sociales dans ce domaine. Hein. Comme dans tous les autres domaines, le domaine du jeu n'est pas laissé pour compte sur ce point-là. Et on peut aussi observer le développement toujours croissant des jouets, qui part déjà de l'Antiquité et qui aboutit en élargissant évidemment beaucoup le trait, que ce soit chronologiquement ou au niveau géographique, aux énormes catalogues de jeux qu'on connaît aujourd'hui, en fait, et où en fait on est tellement débordé de possibilités qu'il devient difficile de trancher. Bon, en tout cas, pour nous, fini de jouer. C'est la fin de cet épisode consacré aux jeux et aux jouets dans la Rome antique. Merci à toi, Noémie, pour toutes ces informations. Comme d'habitude, bah, c'était passionnant, parce que Noémie est une personne très passionnante. Si vous avez envie d'en savoir davantage sur les jouets et les jeux en Rome antique, retrouvez toutes les œuvres de référence sur le sujet, listées soigneusement en description par Noémie. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Merci Noémie, à très vite. À bientôt. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur C'est quoi cette histoire ? Thank you.